Bonjour et bienvenue sur Tout Comment. Aujourd'hui, on va voir 3 techniques qui vous permettront d'arriver à bien tourner quand vous danserez une petite salsa colombienne. Allez, c'est parti! On va commencer par donner un peu d'élan à la fille avec qui on danse. 1, 2, 3. On lève la main gauche et on place la main droite sur la partie inférieure de son dos. Attention, on ne touche à rien d'inapproprié. Puis, on la fait tourner. 5, 6, 7. Et on reste dans cette position avec la main droite sur la hanche de la fille. Et avec la main gauche, on lui donne une petite poussée sur la hanche. 1, 2, 3. On lève la main droite, on fait un genre d'arc avec les bras et on passe la tête dedans. 5, 6, 7. On lâche cette main, la main gauche. La fille va nous frôler le dos et on va devoir l'attraper. 5, 6, 7. Et voilà, on va maintenant voir la seconde technique pour tourner en salsa colombienne. On commence par un petit balancier. 1, 2, 3. On fait tourner la fille. On la contourne 5, 6, 7. On marque en partant du bas. Et ici, avec la main droite, on fait comprendre le chemin que notre partenaire doit emprunter. Ensuite, puis on lève la main de façon à ce qu'elle nous frôle le ventre et on tourne. Je lui tiens la main comme ceci, comme pour le tour précédent. Avec les deux mains, ce sera. Voyons maintenant la troisième manière de tourner en salsa colombienne. On va voir maintenant un petit tour de base. Puis, on va marquer le 1 pour qu'elle puisse tourner sur elle-même et ensuite partir de l'autre côté. On saisit sa main gauche, ensuite on la fait passer de l'autre côté pour saisir sa main opposée. Et maintenant on fait quoi? On la fait tourner avec l'autre main. Et on attrape l'autre main pour faire la même chose, mais avec deux mains. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Tout Comment.